Tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses, notamment de l'entraînement et de la variation. Alors, varier son entraînement versus changer son entraînement. Je pense que dans le vocabulaire, en fait, il y a un petit peu un abus de langage dans ces deux choses-là. Mais au-delà de ça, on va voir pourquoi finalement, parfois c'est mieux de varier, d'autres fois c'est mieux de changer, les fréquences auxquelles on doit varier et changer son entraînement. Je pense que ça peut être le sujet d'une bonne vidéo qui va être par la suite. Mais d'abord, j'aimerais juste revenir en arrière un petit peu. Et il y a beaucoup de personnes qui parlent de la blessure, etc., que c'est important de varier son entraînement pour limiter le risque de blessure ou de changer ses formes d'entraînement, ce qui est vrai. Mais il ne faut pas tomber aussi dans le côté un peu miraculeux des méthodes d'entraînement qui vous promettent de ne pas vous blesser. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez les sportifs de haut niveau, si vous en connaissez autour de vous, moi j'en connais quelques-uns, mais si vous connaissez des vrais sportifs de haut niveau, ils vous diront toujours qu'ils ont mal quelque part. Ils ont toujours une petite blessure qui traîne, une douleur. En fait, ils travaillent, ils performent, bien qu'ils aient ces blessures qui soient un petit peu dormantes. Donc la blessure, on va dire que c'est pas quelque chose qui est inévitable, on va dire, à partir du moment où vous voulez vraiment, je vais pas dire performer, mais obtenir un physique que vous avez pas, enfin pour lequel vous n'êtes pas prévu entre guillemets. C'est-à-dire qu'avoir un physique que vous n'aurez pas naturellement en labourant votre jardin ou je sais pas, en montant un mur ou quoi, enfin avec des petits efforts physiques. Bref, en fait tout ça pour dire que plus vous allez voir, en fait le professionnel il cherche pas l'athlète de haut niveau à faire toujours le même entraînement. Lui, ce qu'il veut, c'est il a un objectif, donc une compétition, un résultat, et il va travailler sur plusieurs axes. C'est-à-dire qu'il va travailler à la fois sur sa technique, sur, je ne sais pas, peut-être sa force en fonction de la discipline qu'il a, sur peut-être aussi sa respiration, son niveau de stress et tout ça. En fait, il a plein comme ça de domaines qu'il doit développer. Et heureusement d'ailleurs, parce que s'il se concentrait uniquement sur le mouvement à faire, même si c'est la clé, on va dire, de sa réussite, c'est-à-dire le mouvement parfait, etc., ça reste quand même quelque chose, il rate en fait un potentiel de progression. Et je pense qu'en tant qu'amateur, c'est-à-dire vous, enfin, vous n'êtes pas professionnel, j'imagine, dans votre discipline, peut-être que c'est le cas, mais en tout cas, si vous n'êtes pas professionnel, sachez une chose, c'est que vous pouvez aussi avoir cette mentalité d'athlète de haut niveau, c'est-à-dire de savoir quand il faut varier son entraînement et quand il faut changer d'entraînement. Et je pense que ça, si vous arrivez vraiment à faire la distinction entre les deux, vous allez voir que chaque entraînement peut avoir une petite différence par rapport à l'autre. Au bout d'un certain temps, changer son entraînement, ça peut être une solution aussi pour corriger ou des douleurs ou une stagnation ou autre. Mais en tout cas, on va voir tout ça dans cette vidéo. Là, j'ai un petit peu donné les bases, entre guillemets, pour les plus pressés. Là, on va aborder ça dans une vidéo beaucoup plus longue, beaucoup plus détaillée et surtout vous donner quelque chose de clé en main. Alors que vous soyez débutant, intermédiaire, avancé dans votre pratique du fitness, ça va pouvoir vraiment, vraiment vous aider à planifier, entre guillemets, vos séances, même au jour le jour, en fait, de savoir qu'est-ce que vous allez devoir faire aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est quelque chose que quand on a acquis ça, bah déjà, ça nous détache un petit peu on va dire, du travail avec un coach qui nous dirait quoi faire sans que nous, on comprenne réellement ce qui se passe. Et surtout, d'avoir toujours une approche logique et intelligente dans le sens où il n'y a pas de hasard finalement. Même si votre entraînement n'est pas toujours le même, même si vous attendez quelque chose de différent avec votre entraînement, la planification globale est quand même contrôlée et intelligente. Donc, pour tous ceux qui sont déjà inscrits, la vidéo continue d'une traite. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous connaissez la procédure. Vous avez le lien directement sous cette vidéo pour voir la version très longue de la formation. À tout de suite.